Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est mon deuxième tuto de la chaîne. Alors, je vais vous apprendre comment faire une miniature. Alors pour ça, vous avez juste besoin de Fonto et Studio. Alors déjà, vous allez sur Fonto. Et vous appuyez en droite sur Usplay une image. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Moi, souvent, je choisis le blanc. Vous pouvez aussi choisir d'autres. Hein. Vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Donc voilà, vous en choisissez un. Use. Vous appuyez sur le petit crayon. Là, vous marquez votre phrase. Je vais marquer n'importe quoi, voilà. Hop, alors, le fond, je sais pas à quoi ça sert. Et voilà. Le fond, ça sert à ça de changer quand on s'écrit. Le size, c'est de le grandir ou le rapetissir. Voilà, bah moi normalement c'est normal. Donc pas zéro. Bah si je l'ai perdu. Pas grave. Hop. Le tilt, ça sert à le mettre sur le côté. Et je sais pas trop comment dire. Alors déjà, on va juste l'agrandir pour que vous voyez mieux. Hop. Tilt. Voilà. Vous pouvez le tourner. Comme ça, vous le mettrez sur le côté. En bas. En haut. Normalement, quoi. Donc voilà. On va juste le remettre normalement. Voilà. Le move, bah, c'est juste pour faire ça. Après, pour ça, ça, voilà. Ça, on s'en fout un peu. Donc voilà, après, vous appuyez tout en haut à droite. Il y a un petit fichier à côté de l'image. Vous allez plus être dessus, après votre image va être sauvegardée. Mais juste après, au lieu d'aller sur Studio, faudra aller sur YouTube. Faudra aller sur YouTube, publier votre vidéo. Et après, vous venez sur Studio. On attend que ça ouvre. Après, là, vous appuyez sur votre vidéo. Sur le petit crayon en haut. Après, c'est écrit modifier la miniature. Vous allez dans modifier. Et là, il y a les miniatures. Vous mettez ce que vous voulez. Et la miniature, bah, vous l'avez sûrement fait sur Fonto ou quelque chose comme ça. Mais moi, je vous l'ai montré sur Fonto. Donc voilà. Ce tuto était très nul, on peut le dire. Et très court. Bye. À plus pour de nouvelles vidéos.